Ici Fox 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Alors ça y est, on s'est enfin trouvé un petit peu de temps pour se faire une chasse à la radio sonde. Il fait beau, on va en profiter. Alors, il y a mon ami Robert là qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Et voilà, on va repartir en équipe. Bon, alors pour cette fois-ci, ben, vous en faites pas, j'ai eu un petit souci. J'ai le bras dans le plâtre. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi. Mais bon, c'est que provisoire. Voilà. Donc on va aller en profiter pour aller chasser. Je promène les handicapés aujourd'hui. Voilà, promène les handicapés. Bon, allez, c'est pas grave, hein. Ça ne nous empêche pas de chasser la radio. Alors nous voilà en voiture. Eh ben, faute de pouvoir conduire, mon bras dans le plâtre, c'est Robert qui me sert de chauffeur pour cette fois-ci. Ouais, mais si je sers de chauffeur, je pourrais pas déconner. C'est toi qui vas être obligé de Ben, faire. C'est pas grave, on a ce qu'il faut. Alors, on a prévu... je vais vous faire voir. On a fait la prévision. Pas facile à montrer. Attaché de... Voilà. On a imprimé la prévision. Donc, elle devra atterrir dans le 83. Dans le Haut-Var, même. Après Riens. Après Riens. Bon, c'est qu'une prévision, hein, donc, bah, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, on va aller s'acheter de quoi se restaurer et puis on va aller se baser sur un point haut pour faire quelques relevés et puis cette fois-ci faire ça jusqu'au dernier moment. Voilà, alors on prend la route et puis c'est parti. C'est ça, si le vol il est long ou court, tu vois. Si le vol il est long, eh ben, on va assez loin quoi. Ben oui, comme quoi il y a eu du changement entre hier et aujourd'hui. Alors les vents d'altitude, à mon avis, ont été rectifiés sur les données cette nuit. Parce que moi c'est pareil, hein, quand j'ai regardé hier, ça me le donnait du côté de Saint-Paul-lès-Durance. Et là, ça va un petit peu plus loin, effectivement. Beau ciel bleu. Ouais, on a une belle journée aujourd'hui. Hein. Hier on a eu un ciel gris mais aujourd'hui c'est bien dégagé. Jour il se sous la pluie. Température extérieure 13 ouais. Degrés pour l'instant. Elle flash quand même. Ouais. Elle fait beau. On va se plaindre hein. Et le problème tu vois c'est qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps des radiosondes. Là vous allez très loin. Donc dès qu'il y en a une, ben, il faut se jeter dessus parce que après c'est fini, ça repart encore assez loin hein, la semaine ouais. Prochaine. Hein. C'est vrai que cette année, globalement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Non. Contrairement à l'année dernière, on en a eu pas mal qui sont tombés dans notre secteur, mais cette année, ça s'est fait rarissime. Hein. Quand il y en a eu, ça tombe à la mer. Alors, faire avec les moyens du bord. C'est pour ça, les copains, que vous n'avez pas eu autant de vidéos que l'an passé. Déjà, il faut avoir la chance de les avoir dans le coin. Pas une vidéo parce que tu travailles aussi. Et aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Et pour moi, le temps entre deux. Tu n'es pas encore la retraite Non. On a encore 7 ans. Hein. Après, on aura tout le loisir de le faire. Je ferai comme toi, on ira tous les jours. D'ici là, la retraite n'existera plus. Peut-être pas. Hein. Bon, bah voilà, on s'est arrêté pour casse-croûter un petit peu. Hein, histoire de nous recharger nos propres batteries. Et bon, en attendant, on a monté les antennes sur le toit de la voiture. Fabrication Robert, là, l'antenne en J. Voilà, puis la réception, on a mis le... Robert, il a mis son transceveur en route. Et puis le petit décodeur. Voilà, le petit décodeur fabrication maison, qui permet d'avoir la position en temps réel. Sinon on le rebranche sur l'ordinateur hein, pour avoir la carte. Le matériel est en service mais là pour l'instant le signal est trop faible. On n'arrive pas à décoder.
prennent un petit peu d'altitude. On a juste eu un point à 1200 mètres. À 1200 mètres, pardon. 12 000. Et puis depuis, ça a décroché le signal. C'est vraiment très affaibli. Le chêne, il est boueux, regarde. Ouais, là, c'était les inondations dernières. Robert, t'as bien mangé? Je fais gaffe au radar parce que c'est le plus important. T'as ton petit bidon qui est plein, c'est bon? Ouais. On va pouvoir cavaler maintenant? Ouais, j'ai pas mal, j'ai le dessert encore. Ah oui, c'est vrai. Bon. Ouais, la durance, elle est pleine, non? Hein. 22 000 mètres d'altitude. 23 000 presque bientôt. Ça y est, vient de les passer. Je vais te mettre sur un point haut que tu vas être content. Ah, c'est bien. On est pas loin de Cadarache là. On l'avait déjà fait ce point haut là. C'est vrai qu'on est bien là-haut. Tu es bien dégagé là. Bon voilà, on s'est arrêté. Et puis là, je suis en train d'expérimenter ma nouvelle installation. Je me suis fait un trépied avec le petit montant. D'ailleurs, je remercie Six Effets Saut pour la bidouille avec le transceiver et l'antenne qui est allumée dans la direction. Voilà, le transificateur, le cordon et le récepteur qui me donne instantanément la position. Elle est à 9 km de nous. Elle est quelque part là-dessus, hein, Fred. Altitude 21 000 mètres. C'est toi, tourne un peu l'antenne. Elle est juste là-dessus. Ah, elle est, ouais, c'est pour ça. Un petit peu de. Voilà, il n'y a plus de souffle. Ah, bah oui. Ah ouais, bah elle vient d'éclater d'ailleurs. Alors, t'as regardé, t'as comparé par rapport au résultat. Elle vient de faire ce petit S là. Tu sais, celui-là, elle le fait là. D'accord. Ce qui veut dire qu'au final, elle va arriver plutôt près. Elle va être là vers Saint-Julien et j'ai la servi quelque part par là. Pendant un moment, elle est tombée à 18 mètres, donc elle s'était mise en braque, alors que là, elle est en train de se récupérer un peu. De toute façon, la vitesse descente est élevée là encore. Oui, 12 mètres secondes. Mais c'est ce qu'on avait vu sur les prévisions, hein, que la vitesse elle serait rapide sur la descente. Mais non, ça tu ne le vois pas, tu le sais pas, c'est le reste de ballon qui te le fait. Aussi. Ouais, mais là elle tourne sur elle-même, t'entends le bruit que ça fait sur la réception? Ouais. Là ça devrait être bon là. Dernier point, parce qu'on était sur le point haut, donc on a pu relever le dernier point de chute. Et on est environ une dizaine de kilomètres sur l'atterrissage. Donc c'est reparti, Robert. Ouais, c'est-à-dire on a eu du bol, hein, parce que la vitesse de descente qu'elle était, si elle s'arrête, on est trop loin pour la retrouver. Hein. Ouais, c'est vrai. Je t'avais dit que la descente serait rapide. C'était calculé, c'est vrai, ça dépend des claquements. Ballon, mais aussi par rapport au vent d'altitude. En plus, il fait relativement frais. Là, on a combien, 14 degrés? Ouais. C'est moins 60 en altitude, hein.
parce que là il me dit. Ah, c'est bon, toujours tout droit. Hein. Non, non, mais. Voilà, c'est arrêté. Bah, 998 mètres exactement. Voilà, c'est arrêté là sur le bord de la route. Alors d'après le GPS, elle se trouverait bah, en face. Trop bon. On est obligé à. Obligé de traverser là. C'est imbibé d'eau partout. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, on a un bon kilomètre à parcourir. Hein. Ouais. Jusqu'à la prochaine intersection. C'est parti. Alors, pour on s'est arrêté tout à l'heure. On aurait peut-être pu traverser comme ça, mais bon, est-ce qu'on aurait trouvé. Ouais, on aurait trouvé, remarque. Bon, tu sais, si tu regardes au GPS, on aurait gagné. Ouais. On aurait gagné 100 mètres, quoi. On n'est plus, plus à 100 mètres près. Ouais. Oh, une bonne balade, ça va nous faire du bien. Il fait bon, l'air pur. Là, on respire pas la pollution. Petit arrêt. Contrôle. On a quand même l'antenne pour le final. Tu vois le petit sentier qu'on avait tout à l'heure? Oui. Tant qu'on le prenait, on le retrouvait plus loin. Parce que maintenant, il me fait revenir sur mes pas. Et oui, si ça se trouve, c'était celui-là de tout à l'heure. On arrive chez un particulier. Il y a des moutons. Il y a un chien qui vient nous accueillir. Il a l'air gentil celui-là. Non, 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 ils sont méchants, mais partout, fais gaffe. On est en train de traverser le champ, enfin la prairie plutôt, avec le pot qu'on a. Elle a atterri dans la forêt en face. Là on en est à 200 mètres. Il n'y a plus grand chose à parcourir. Et elle risque de se retrouver sur un arbre. Allez, on vient. C'est dommage, on ne les voit plus, mais on vient de croiser deux gros sangliers là. Bon allez, il va falloir qu'on monte un petit peu là. On est à 50 mètres. Ouais, il va falloir qu'on se fasse un chemin là. Fais attention à toi, que je te renvoie pas les bronzes dans la tête. Voilà, on en est à 20 mètres là, mais bon, vu comment c'est fourré là-dedans, pour retrouver ça, ça va être rock'n'roll. Hein? Dans le passage là où tu es? Il m'a dit que je suis, hein. 17 mètres. 9 mètres. Ouais, t'es un petit peu plus proche que moi, là. 10 mètres, allez. Ouais. J'ai cassé 10 mètres. Mais moi, j'ai une marge d'erreur de 5 mètres, hein, donc... on n'est pas loin, hein. On va tomber dessus, allez. Mais... regarde si ça passe par là-bas, plutôt, non? C'est ce que je voulais faire, à l'origine. Bon, ça y est, on vient de la retrouver. Mais c'est pas simple, là. J'ai essayé de faire un agrandissement, elle est dans le chêne là-bas. Voilà, en plein centre de l'écran. Donc on va essayer de redescendre. Et voir si on peut pas se frayer un autre chemin. Et si on peut décrocher ça. Ah ça y est, on vient. Du coup de sécateur. Ah ça y est, on l'a retrouvé, elle est là. Eh ben un coup de chance. Non, c'est pas un coup de chance, tu viens dessus. Au GPS. Non mais quand j'ai un coup de chance c'est de l'avoir à portée de main. Ouais. Parce que le ballon lui est resté. Ah oui si on voit le parachute là-haut. Le ballon on va le tirer. Ouais. Et la radio sonde elle pendouille là, elle est à quoi? 1m50 de haut. Oh bah voilà, on voit le fil. Ouais ça monte à Robert. Et non le fil il est trop haut là. Oh, et oui, il faut faire attention. Le parachute il est là. Avec le ballon, le parachute est en entier, le ballon il est en friche. Et je sais pas comment on va pouvoir le descendre. Hein.
Ah là, ça va être, je sais pas, on va pas pouvoir le revoir. Hein. À mon avis, il va rester là-haut. Hein. Le fil, il a cassé une deuxième fois. Écoute, t'embête pas, Robert. Hein. Bon, c'est ça pour qu'on puisse sortir tranquille, c'est tout. Ouais. Bon, bon, ok, allez. On va appeler quand même sur le 550, voir s'il n'y a pas un copain sur la chasse. Autre que nous, mais au vu de l'heure, ça m'étonnerait. Hein. Donc là, il va pas tarder à se coucher. Ça, on n'a pas annoncé sur la liste. Oui, en plus, ouais, bah ouais, on est parti un peu à la dernière minute aussi. Hein. Plus ébloui. Bon, ça y est, Robert. Eh bien, chasseur. On l'a enfin retrouvé, cette radiosonde. Alors, une chasse qui était plutôt sympa. Hein. Oui, parce que ça nous a fait marcher un peu quand même. Hein. Mais oui, ça nous a fait marcher un peu, mais la stratégie de rester fixé sur un point haut. T'es pas d'accord avec moi, mais moi je maintiens le fait de dire que le fait de rester sur un point bien dégagé et d'attendre le dernier point, eh ben ça nous permet de l'avoir. Ah. Bon ben, prévenir le propriétaire de lui dire pourquoi on est sur son terrain. Parce qu'il se demande un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Donc on va le rassurer et le prévenir. Voilà, en tout cas, c'était une chasse bien sympathique. Bon, bah ça y est, on a prévenu la fermière du coin, hein, comme quoi on a traversé ses propriétés. Elle nous a pas donné le beurre. Hein. Ouais. Ni l'argent du beurre non plus. Bon, enfin, très sympa quand même. Hein. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Encore une épopée de plus. Alors, on vous salue, puis on vous dit à la prochaine chasse. À bientôt. Salut, l'épopée. Allez, ciao.